Comment faire pour arrêter de souffrir de la jalousie des autres et des critiques? Bonjour, c'est Pierre du blog Hypnoform. J'étais en conférence en Suisse et à la fin de la conférence, j'aime parler avec les gens et une personne vient me voir et me demande mais quel conseil peux-tu m'apporter pour arrêter de souffrir lorsque des personnes me critiquent ou sont jalouses? Entre autres, là, c'était pour la jalousie. Et tout simplement, je lui ai proposé de regarder la chose sous l'angle que les personnes qui vont critiquer parce qu'elles sont jalouses, eh bien tout simplement, est-ce qu'elles sont heureuses ou pas? Parce que si elles sont jalouses, c'est qu'elles vont nous envier quelque part. Et donc que leur intention est basée sur une peur qu'elles aussi ne sont pas à la hauteur, de frustration qu'elles aimeraient avoir ceci ou cela et qu'elles ne sont pas capables de mettre en place pour les obtenir. Et donc tout simplement, je lui ai dit, est-ce que ces personnes sont heureuses? Donc il m'a dit, bah non. Ou du moins elles ne sont pas heureuses et peut-être malheureuses. Alors de regarder ça sous forme de au lieu de réagir aux critiques et rentrer dans le jeu ou d'en souffrir, alors tout simplement d'avoir de la compassion pour ces personnes et au fond de soi leur dire je te souhaite juste de réussir finalement. Je te souhaite juste de réussir et je comprends que tu es jaloux et je comprends que tu es malheureux et tout ce que je veux c'est juste que tu puisses toi aussi réussir et je te souhaite juste du bonheur. Et rien qu'en faisant ça, en prenant ça, ça enlève un poids énorme, ça enlève toutes les émotions de colère, de frustration, de peur d'être jugé et juste on fait notre vie, on sait qu'on est aligné par rapport à nos valeurs, à ce que l'on vaut, à qui on est et donc parce qu'on sait déjà qui on est et notre regard sur nous est plus fort que celui des autres sur nous, alors nous pouvons simplement être sûrs de nous et souhaiter la réussite également aux autres. Et en prenant, moi rien qu'en passant, en ayant beaucoup de compassion pour les personnes qui critiquent et qui sont jalouses, eh bien ça m'enlève un poids qui est juste énorme. Donc voilà le conseil du jour, de passer à la compassion et comprendre que les personnes qui sont jalouses de vous et qui vous critiquent, c'est basé sur quelque chose, une frustration et au fond d'elles, eh bien, c'est qu'elles sont malheureuses dans ce schéma. Donc voilà le conseil du jour, enfin de la semaine. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Si cette vidéo peut aider d'autres personnes, sentez-vous libre de partager, liker, commenter. Et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse.